Je suis le colonel Moussa Condé, gouverneur de la région administrative de Cancan. Dieu merci, nous avons participé au lancement de l'épreuve du bac à Cancan, mais précisément au collège Samori, au lycée Samori. Donc nous avons prodigué des conseils aux enfants, leur dire que l'examen c'est une simple évaluation, ce n'est pas une guerre. Et on les a dit de ne pas se stresser et de compter seulement sur leur valeur intrinsèque. Parce que dans les examens, si tu ne comptes pas sur toi-même, tu comptes sur quelqu'un, facilement tu vas échouer. Donc c'est ce que je les ai dit. Et je sais que j'ai vu les enfants, ils ne sont pas stressés, ils sont pas. Ils savent que cette année c'est un peu différente de l'an passé. Parce que l'an passé, il y avait beaucoup de caméras, il y avait les appareils, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient même stresser les enfants. Et Dieu merci, avec le nouveau ministre, ils ont changé ça là. On va voir aussi cette année qu'est-ce que ça va donner. Parce que avec le stress, les enfants, tu peux venir avec quelque chose que tu connais, mais avec le stress, tu peux oublier et le temps est court. Mais cette année, eux-mêmes, ils voient que d'abord, la cour n'est pas militarisée, il n'y a pas beaucoup de militaires dans la cour, il n'y a pas beaucoup de policiers dans la cour. Et dans la classe, il n'y a que deux personnes. Donc, ils vont penser que c'est une simple évaluation et ça sera très bien passé cette année. C'est comme au notre temps, quand on faisait les examens, on n'avait pas beaucoup de stress, on n'avait pas beaucoup de contrôle. Ils avaient confiance en nous et les enfants aussi ont travaillé dans cette confiance. Mais dès que tu les stresses, dès que ils savent, ils ne font pas ça, quand tu viens, tu vas faire ça, ils rentrent dans la cour, ils vont dire, attends, je vais cacher quelque chose, parce que je vais oublier. Si j'oublie, il faut que le papier là me serre. Mais avec la manière de cette année, personne ne va penser à ça, je sais. Et j'ai dit aux enfants, ne compte pas sur quelqu'un. Chacun n'a qu'à compter sur sa valeur intrinsèque, sur ce qu'il connaît, il n'a qu'à mettre ça le papier, il ne se presse pas. Je vous remercie.